un peu le village et j'ai trouvé ça vraiment super. J'ai découvert, en fait, chaque région, quelqu'un qui ne connaît pas, on pourrait dire que ça se ressemble, mais c'est vraiment différent. Et chaque région a une particularité dans sa culture et c'est assez spécial, c'est très joli. J'ai trouvé Marrakech, j'ai trouvé que c'est une très très belle ville. Je suis venu pour 2 jours à la base et j'y suis resté 10. Donc c'est pour vous dire que c'est une ville qui m'a beaucoup plu. Et j'y suis aussi également venu pour présenter un film en tant que producteur cinéaste français. On va faire un film à Marrakech, qui va s'appeler Marrakech d'ailleurs. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à montrer, c'est une ville très très intéressante. Alors j'ai fait beaucoup de petits courts-métrages et de longs-métrages en France, dans différents films, différents secteurs, histoire de se faire la main. Et j'ai dernièrement réalisé 2 films, dont un qui s'appelait Les Favoris, qui était une pièce de théâtre la plus vue en France. Et on l'a adapté au cinéma. Bon, c'est un film comique, assez rigolo. Et là, on vient de terminer un film qui s'appelle En Ground and Pound. Bon, je répète parce que c'est pas facile à piger tout de suite. Ça s'appelle En Ground and Pound. C'est un film en fait sur la MMA, c'est sur les sports de combat. Et donc, c'est l'histoire d'un loser qui a raté sa vie, qui a raté sa vocation, sa carrière sportive, l'éducation de sa fille. Et puis, il va se mettre à travailler dans une boîte de nuit pour l'alimentaire, pour gagner sa vie, quoi. Et puis, il va rencontrer une fille de qui il va tomber fou amoureux. Et qui va l'aider à remonter la pente dans la vie en général. Donc en fait, c'est un paradoxe, c'est l'histoire d'un loser qui va remonter sur le ring avec de l'amour cette fois. Et qui va être porté par un amour qui va lui donner des ailes en gros. Donc c'était juste pour montrer le paradoxe entre l'histoire d'un loser qui peut très bien échouer sa vie, la rater, mais elle n'est jamais terminée tant qu'on n'est pas mort. Donc on peut toujours voilà, remonter la pente. Vincent. Raté. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le discours d'un roi ou quoi? Je voulais remercier Canal Atlas pour ce petit entretien. Et Nordine également. Et toute l'équipe, très sympathique d'ailleurs. Et j'espère vous revoir très bientôt sur l'écran. Ouais, t'es un grand malade en fait. Je suis ni grand, ni malade, je suis juste dans le flou. Comme la cohabitation devient insupportable et la situation passablement ridicule, je propose un jeu.